La carrière d'Arnaud Démare s'oriente de plus en plus vers les classiques, une tendance confirmée par cette belle victoire à Vendôme dans la première étape de ce Paris-Nice avait des allures de course d'un jour avec des secteurs en terre dans le final. Le Beauvaisien avait déjà levé les bras en 2016, c'était sur la Méditerranéenne, il y a moins d'un mois. Trois Français terminent dans le top 5. Après la mise en jambe dominicale sur les bords de Seine, la première étape en ligne de ce Paris-Nice fait dans l'inédit avec, dans les 25 derniers kilomètres du jour, deux portions de chemin en pierre blanche à parcourir à deux reprises. Dernier secteur à moins de 4 km de l'arrivée. Le peloton va être quelque peu bousculé dans ses habitudes et la tradition du sprint massif pourrait s'en voir perturbée. En attendant ce final inhabituel, 4 coureurs fausse compagnie au peloton dès le premier kilomètre. Thomas De Gendt accompagne 3 Français, Perrick Kemener, Steven Tronet et Thierry Huppon. Bonne entente dans ce quatuor, 10 minutes d'avance à mi-course. Les risques de cassure sont bien présents en traversant les plaines de l'Eure-et-Loire et du Loir-et-Cher. Les Sky et les Quick-Step le savent et tentent de faire exploser le peloton. Richie Porte et Alexander Christophe se font piéger. Quick-Step qui veut ici mettre en orbite ses coureurs de classique, Bonnen, Vandenberg ou Terpstra. Une accélération du peloton qui se produit au détriment du champion de France Steven Tronet et de ses compagnons d'échappée qui sont finalement repris à 20 km de la ligne juste après avoir posé les roues sur le premier sentier calcaire. Pierre-Luc Perrichon montre le maillot et boucle le premier tour en solitaire avant d'être repris. De son côté, le meilleur français du prologue, Sylvain Chavanel, ne pourra pas jouer sa carte, crevaison à 4 km de la ligne. La grosse bagarre ne se produit pas dans le dernier secteur, aucun attaquant ne peut faire la différence. Le belge Edouard Teutz passe tout près mais est repris aux 200 mètres. Une configuration qui sourit à Arnaud Démare, premier succès sur le Paris-Nice pour le coureur FDJ. Il devance Ben Swift et Nasser Boigny. Cinquième au sprint, Michael Matthews conserve le maillot jaune. Allez, les petits chemins à la fin, voilà, c'était pas forcément l'endroit le plus piégeux parce qu'on a vu qu'on était déjà arrivé en petit nombre devant. Et puis voilà, après je suis vraiment content parce que c'est une victoire que j'attends depuis longtemps. Une belle victoire comme ça sur Paris-Nice, c'est super. L'équipe a fait un bon travail, donc voilà, tout le monde a le sourire, c'est vraiment génial. Le sprinter de la Team Sky, Ben Swift, s'interpose pour empêcher un podium 100% français. Le maillot jaune, Michael Matthews, a assuré l'essentiel en prenant la deuxième place du dernier sprint intermédiaire. 2 secondes de bonification. Au général, son avance est donc de 3 secondes sur Tom Dumoulin. Abandonné par ses nouveaux coéquipiers et victime d'un coup de bordure à 40 km de la ligne, Richie Porte est finalement revenu en tête de peloton. L'Australien est 8e au général, à 12 secondes du leader. Après cette excursion hors des sentiers battus, le Paris-Nice retrouve un profil plus traditionnel et dessiné pour les purs sprinteurs ce mardi. Départ au cœur de la région, des Châteaux de la Loire à Contres pour ce qui sera l'étape la plus longue de la semaine, 213 km de plat à destination de Commentry dans l'Allier. On note tout de même une seule petite bosse de 3e catégorie placée à 50 km de la ligne.